And now it's my pleasure to introduce the oral abstract presentations, fourth session, viral hepatitis infections, and it is concerned with hepatitis C. And our first speaker will be from the United Kingdom, Dr. Alexander Stockdale, presenting on seroprevalence and molecular epidemiology of hepatitis C in Malawi, a cross-sectional community census-based serological survey. Bonjour, je m'appelle Alexander Stockdale. Je suis maître de conférence en maladies infectieuses et j'ai travaillé au Malawi pendant 3 ans au sein du Malawi Liverpool Welcome Trust. J'occupe un poste de consultant à l'hôpital Central Queen Elizabeth de Blantyre. Je vais partager avec vous aujourd'hui les résultats de l'étude sérologique communautaire transversale basée sur le recensement du township de Blantyre. Concernant l'évaluation épidémiologique de la prévalence du VHC, c'est une façon différente d'essayer de faire une estimation de la prévalence au sein de la communauté. Il est clair que nous nous sommes intéressés aux groupes à risque, tels que les personnes qui s'injectent des drogues, les hommes qui ont les relations sexuelles avec les hommes et les travailleurs du sexe. Ce qui est de la prévalence dans la communauté, les groupes de substitution sont souvent assez faciles d'accès. Les femmes enceintes, les groupes de consultation prénatale, les donneurs de sang et les groupes professionnels sont souvent utilisés comme des groupes de substitution pour la prévalence communautaire. Mais dans cette étude, nous avons cherché à évaluer la prévalence communautaire au sein de la population générale. Il est également important d'examiner la prévalence chez les patients atteints de maladies afin d'évaluer l'impact du virus chez ceux qui sont atteints de maladies du foie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de notre enquête sur la prévalence communautaire. Le but de cette étude est de décrire la séroprévalence communautaire de l'hépatite C à Blantyre et d'examiner l'épidémiologie moléculaire du VHC dans la région sud du Malawi. Voici donc la carte du Malawi au sud-est de l'Afrique. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent bien le Malawi. La Zambie est à l'ouest, le Mozambique et la Tanzanie à l'est. Et si vous regardez bien la région sud du Malawi, il y a Blantyre au sud, au centre, et dans le nord-est de la ville de Blantyre se trouve Ndriande. Il s'agit d'un grand township assez densément peuplé. Voici une photo montrant ce à quoi ressemble le township de Blantyre. La recherche de la séroépidémiologie de la typhoïde fait partie de l'étude. Un recensement dans le township a révélé que 100 000 personnes y résidaient. Il était suivi d'une enquête sérologique fondée sur un échantillonnage de probabilités aléatoires à étape unique axée sur la liste du recensement. Nous avons ensuite fait des tests de l'hépatite C chez les sujets de l'enquête sérologique en utilisant un test laboratoire combiné d'antigènes et d'anticorps. L'avantage de disposer d'un test d'antigène de 4e génération est qu'il permet la détection plus rapide des individus récemment infectés qu'avec le test d'anticorps seul. Nous avons confirmé ces tests à l'aide du test ARN VHC PCR, donc du GeneXpert. L'aspect épidémiologique moléculaire de cette étude consistait à tester les personnes atteintes d'hépatite C de l'enquête sérologique, ainsi que les patients hospitalisés atteints de cirrhose ou de CHC, qui seraient recrutés de manière prospective au Queen Elizabeth Central Hospital, qui est un hôpital de référence pour la région du sud du Malawi. Le séquençage a donc été effectué au Centre de recherche sur les virus de l'Université de Glasgow. Nous avons utilisé l'enregistrement des cibles de capture, des sondes biotinylées, des plateformes de séquençage d'Illumina et aligner les lectures sur les références spécifiques de sous-types en utilisant des circuits bioinformatiques de Glasgow. Sur 100 000 personnes recensées, nous avions échantillonné 1661 adultes âgés de plus de 16 ans, dont 52% de femmes, et l'âge moyen de l'échantillon était de 30 ans. Ce graphique montre la relation entre la population du recensement en gris et orange et la population de la sérosurveillance. Les couleurs bleues et roses plus claires montrent la correspondance étroite entre la répartition de la population du recensement et celle de la sérosurveillance. La prévalence était de 13, soit 0,8%, ce qui correspond à 7 hommes et 6 femmes. La prévalence standardisée de la population n'était pas différente car elle correspondait étroitement à la répartition du recensement. Elle était de 0,8% selon les tests d'antigène et d'anticorps. Parmi ceux-ci, nous avons cherché à confirmer la prévalence de l'ARN du VHC chez les patients.
la prévalence dans la communauté était de 0,2%. C'est une prévalence assez faible avec 95% des individus confirmés entre 0,02 et 0,4%. Maintenant, si vous regardez ceux qui sont positifs, les 13 patients ont été positifs au test d'antigène d'anticorps. Nous pouvons voir qu'il y a 3 individus et ils sont tous doublement et triplement testés et vous pouvez voir que les 3 individus étaient positifs à l'ARN du VHC avec un ratio échantillon seuil beaucoup plus élevé et le test ELISA indique que leur STCO pourrait augmenter parce que la plupart des positifs de bas niveau étaient négatifs à l'ARN testé par la méthode PCR. Si vous regardez l'épidémiologie moléculaire, qui est le résultat du séquençage des échantillons C, nous pouvons voir que parmi les échantillons communautaires, un était 4R, les 2 autres étaient 4V. Et nous avons des images similaires dans des échantillons des patients hospitalisés. 4R, 4V et 4W étaient prédominants. Tous les échantillons sont des génotypes 4. C'est intéressant de voir le 4R endémique. Au Malawi, il n'a pas été décrit auparavant, mais il a été identifié en particulier en Afrique de l'Est et du Centre. Au Rwanda, le 4R a été associé à l'échec du traitement lorsqu'on utilise le sofosbuvir, l'élipasvir. Donc pour conclure, c'est la première enquête représentative de la population générale qui a pu être identifiée dans la littérature publiée. En Afrique australe, les taux de VHC en termes d'infection virale confirmée de 0,2% sont très faibles comparés aux estimations légèrement plus élevées des données de modélisation basées sur des échantillons des groupes de substitution d'environ 1%. Il y a un taux élevé de faux positifs lorsque nous parlons de confirmation du test antigène-anticorps réalisé avec le PCR, montrant une faible spécificité globale du test antigène-anticorps ELISA et peut-être le fait d'utiliser le seuil de rétention de l'échantillon pour identifier ceux qui ont le plus de chances d'être vraiment positifs. Enfin, nous avons trouvé le génotype circulant au Malawi. Il s'agit du génotype 4 et c'est une suggestion d'un 4R endémique qui vient d'être découvert dans d'autres échantillons. Il présente de faibles taux de RVS lorsque le sofosbuvir, l'élipasvir est utilisé. Je voudrais donc vous remercier. Je tiens aussi à remercier mes nombreux collègues qui ont collaboré avec moi sur ce projet. Our next speaker will be Dr. Jamila Soli from Burkina Faso, presenting on chronic hepatitis C, efficacy and tolerance of direct acting antivirals at University Hospital Center. Bonjour à tous, je suis Jamila Abdraman Soli, je suis hépato-gastro-entérologue. Je remercie le comité d'organisation de cette conférence qui nous offre l'opportunité de partager notre expérience dans la prise en charge de l'hépatite C au Burkina Faso. L'hépatite C est une pandémie virale qui concerne 71 millions de porteurs chroniques dans le monde. L'infection est pourvoyeuse au long cours d'une lourde morbi-mortalité par le biais de la cirrhose et du cancer du foie. Au Burkina Faso, la séroprévalence est estimée entre 3 et 5% de la population. Le génotype 2 du VHC est prédominant. Les antiviraux directs sont disponibles dans ce pays depuis 2016 et notre objectif était d'évaluer leur efficacité et leur tolérance en vie réelle dans notre contexte. Pour ce faire, nous avons procédé à une étude observationnelle prospective qui s'est déroulée de mars 2016 à décembre 2019, au cours de laquelle nous avons inclus les patients qui étaient virémiques pour le virus de l'hépatite C et qui avaient été traités par des antiviraux directs. La guérison a été définie par une charge virale indétectable au moins 12 semaines après la fin du traitement et un traitement de seconde ligne a été secondairement proposé aux patients qui étaient en échec du traitement initial. Nous avons ainsi colligé au total 76 patients dont les caractéristiques sont les suivantes. Un sexe ratio de 1,8, 64% de nos patients étaient des hommes. Un âge moyen de 50 ans. 13% des patients avaient été préalablement traités par l'interféron pegylé et la ribavirine. 13% de nos patients étaient sérotypes. La charge virale moyenne pré-thérapeutique était de 6,6 logs.
74% des patients étaient infectés par un VHC de génotype 2. Les autres génotypes répertoriés dans la série étaient le 1, le 4 et le 5. Une cytolyse était présente dans près de la moitié des cas. Les protocoles thérapeutiques utilisés en première ligne étaient principalement au nombre de 4. Nous avons le sofosbuvir-ribavirine utilisé chez 56% des patients, le sofosbuvir-velpatasvir utilisé chez 17% des patients, le sofosbuvir-lenacapavir chez 14% des patients et le sofosbuvir-daclatasvir chez 12% des patients. Le choix de ces différents protocoles a été dicté par les recommandations thérapeutiques du moment, mais également par la disponibilité et le coût des médicaments. Sur l'ensemble de ces protocoles thérapeutiques, la ribavirine a été utilisée chez 62% des patients et la durée du traitement était de 12 semaines chez près de 9 patients sur 10. Concernant l'efficacité du traitement de première ligne, elle a pu être documentée chez 71 patients, 5 patients ayant été perdus de vue. Nous avons obtenu 61 guérisons, ce qui nous fait une efficacité de près de 86%. 10% étaient en échec, 10 patients étaient en échec du traitement initial et sur ces 10 patients, 4 étaient au stade de cirrhose et 6 avaient été traités par sofosbuvir-ribavirine. Les facteurs influençant l'efficacité du traitement ont été recherchés et la cirrhose était associée de façon significative à une moins bonne réponse thérapeutique. Nous avions 90% de taux de guérison en l'absence de cirrhose contre 50% chez les patients cirrhotiques. Un traitement de deuxième ligne a été conduit chez 8 des 10 patients initialement en échec. Il reposait sur le protocole sofosbuvir-velpatasvir avec ou sans adjonction de ribavirine, sofosbuvir-velpatasvir, et c'est la guérison de ces 8 patients a permis d'obtenir une efficacité cumulée de 97,2%. Du point de vue de la tolérance du traitement, 58% des patients n'ont notifié aucun effet secondaire. Les effets secondaires les plus fréquemment enregistrés étaient les céphalées chez 21% des patients, l'asthénie chez 18% des patients et des troubles digestifs non spécifiques chez 13% des patients. Nous notons également la survenue d'un cas d'anémie et d'un cas de réactivation du virus de l'hépatite B sur 8 patients co-infectés. Quels commentaires pouvons-nous faire de ces différents résultats? Nous avons obtenu un taux d'efficacité de 86% qui est comparable à celui rapporté par Atia en Côte d'Ivoire, mais qui reste cependant modeste pour un traitement antiviral direct. Ce taux modeste ainsi que l'influence négative de la cirrhose peuvent s'expliquer par l'utilisation majoritaire dans notre série du protocole sofosbuvir-ribavirine. Ce protocole a en effet une efficacité suboptimale et elle est de plus influencée par le stade de fibrose. Certains auteurs ont également évoqué des taux de guérison moins bons en vie réelle que dans les études, que dans les essais cliniques. Enfin, nous pouvons évoquer l'implication de facteurs génétiques ou d'une précarité de l'état physiologique des patients. Une grosse série américaine qui a porté sur plus de 15 000 vétérans rapporte une moins bonne efficacité thérapeutique chez les patients afro-américains. Dans un centre français, Dijoux nous rapporte une efficacité qui est moindre chez les sujets originaires d'Afrique subsaharienne. Au terme de cette présentation, nous rappelons que les antiviraux à action directe constituent une révolution majeure qui permet d'offrir une option thérapeutique à tous les patients infectés par le virus de l'hépatite C, quelle que soit leur comorbidité et le stade de la fibrose. Ils ont une efficacité excellente, proche de 100%, et un excellent profil de tolérance avec des schémas simplifiés pangénotypiques. L'un de ces schémas, le sofosbuvir-velpatasvir, est disponible au Burkina Faso depuis 2017. Actuellement, le challenge réside dans la généralisation du dépistage ainsi que l'accessibilité du bilan et des médicaments. Des efforts doivent être fournis dans ce sens si les pays à ressources limitées tels que le Burkina Faso veulent atteindre en 2030 l'objectif de l'élimination de l'infection par le virus C. Je vous remercie.
Our next speaker is Dr. Tari Michael from Egypt, presenting on prevalence of occult hepatitis C virus infection among Egyptian hemodialysis patients, a single center study. Notre présentation aujourd'hui porte sur l'étude que nous avons réalisée sur l'infection occulte à l'hépatite C chez les patients hémodialysés. Je tiens à remercier les professeurs Dr. Noah Makib, professeur Dr. Murtaz El Seyd et Dr. Amira El Araichi pour les efforts qu'ils ont déployés pour mener à bien ce travail. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer dans le cadre de cette étude et avons l'approbation du comité technique de l'Université Aishaïm pour cette étude. Le contenu de notre exposé aujourd'hui est comme suit: l'introduction et l'objectif de notre étude, la méthodologie, les résultats de l'étude et enfin la conclusion. Ainsi, l'hépatite C occulte est la présence d'ARN du virus de l'hépatite C dans le tissu hépatique et ou les cellules mononucléaires du sang périphérique avec une ARN du virus de l'hépatite C indétectable dans l'anticorps ou les anticorps dans le sérum. Ceci a été décrit par Castello et collaborateurs en 2005 lorsqu'il a trouvé le virus de l'hépatite se répliquant dans les cellules mononucléaires du sang périphérique. Pour les biopsies hépatiques, les patients atteints d'hépatite C présentent fréquemment plus de nécro-inflammation, plus de fibrose que les patients atteints d'hépatite occulte, mais une cirrhose du foie a été diagnostiquée avec une fréquence similaire dans les deux groupes. Il s'agit d'une étude réalisée par Prado et collaborateurs en 2007. Il est bien connu que les patients hémodialysés courent un risque accru d'infection pour l'hépatite C chronique en raison des infections nosocomiales, de l'accès vasculaire et de la transfusion sanguine actuelle. C'est pourquoi dans notre étude, nous visons à évaluer la prévalence d'infection occulte à l'hépatite C chez les patients sous hémodialyse d'entretien. Notre second objectif est d'étudier les prédicteurs d'infection occulte à l'hépatite C chez les patients sous hémodialyse d'entretien lorsque les paramètres cliniques et de laboratoire chez les entretiens sous d'infection occulte à l'hépatite C et les autres patients atteints d'insuffisance rénale en phase terminale. Les patients et les méthodes de notre étude. 60 patients atteints d'insuffisance rénale en phase terminale sous hémodialyse d'entretien régulière ont été étudiés avec une ARN du virus de l'hépatite C négatif et un anticorps du virus de l'hépatite C négatif par ELISA. Les patients dont l'hépatite C B ont été confirmés ont été exclus de l'étude et nous avons fait une étude pour la PCR de l'ARN hépatite C et les cellules mononucléaires sanguines de ces patients. Les patients ont été ensuite divisés en deux groupes, les groupes positifs et négatifs d'infection occulte à l'hépatite C, où les paramètres cliniques d'imagerie et de laboratoire ont été étudiés dans les deux groupes. Les résultats de notre étude ont montré que les patients ayant une moyenne d'âge de 48 ans et un ratio homme-femme de 11 à 9, dont 6,7% de la population donc de notre étude, avaient reçu une transfusion sanguine. La cause principale de l'insuffisance rénale en phase terminale était principalement l'hypertension, c'est 50% des patients, le diabète, c'est 20% des patients. Et des causes moins courantes comme la polykystose rénale, des infections actuellement contractées, étaient également présentes. La prévalence d'infections occultes à l'hépatite C était de 11,7% avec 7 patients sur les 60 étudiés. Si l'on compare les résultats cliniques et échographiques des cas négatifs et positifs à l'infection occulte à l'hépatite C, nous avons constaté que l'acide, l'œdème des membres inférieurs et la jaunisse étaient tous de cliniquement prévalents, plus fréquents et plus significatifs chez les patients atteints d'infection occulte à l'hépatite C que chez les patients atteints d'occulte C négatif. Ainsi, après l'analyse, nous avons constaté que la bilirubine totale et directe était un prédicteur. En ce qui concerne la présence d'occulte C chez les patients hémodialysés et avec la courbe ROC, nous avons trouvé une valeur limite de 1,7 pour la bilirubine totale et 0,4 pour la bilirubine directe, ce qui correspond à la valeur limite permettant de prédire la présence d'occulte C chez les patients hémodialysés. En guise de conclusion, nous pensons que les patients hémodialysés peuvent attraper une infection au virus de l'hépatite C occulte ayant un impact considérable sur leur santé. La bilirubine totale et la bilirubine directe sont les prédicteurs de la présence d'occulte C avec les valeurs de 1,7 et 0,4 mg DL respectivement. Merci beaucoup. C'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup.
I would like to thank all the speakers for their excellent presentations and presenting very interesting studies. I would like to remind the delegates that they can meet the abstract presenters from the last two sessions and ask them all the burning questions. To do this, please go back to the timeline and choose the abstract presenter you would like to talk to in the Meet the Oral Abstract Presenter session. They will be happy to answer your questions. We look forward to seeing you again tomorrow for more interesting presentations and discussions. Thank you.